Yo tout le monde, c'est Starview, j'espère que vous êtes tous très bien amis, moi ça va super bien, on est parti pour une nouvelle vidéo sur les élèves français, on se retrouve tout de suite, juste après l'intro. Donc les amis, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super bien, pour cette vidéo je suis accompagné de Seth, salut. Salut. Comment vas-tu? Ça va super bien et toi? Ça va super bien, accompagné de Borom et de Jupit. Salut à tous, salut. Et de Zero, salut. Salut. Bon, du coup, les amis, c'est parti. On retourne du coup dans nos fermes. Allez, du coup, on est parti. Je suis donc avec Borom. Comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien. Et toi? Ça va super bien avec tes petites lunettes là. Eh oui. Yes. Donc, du coup, les amis, on est parti sur cette série. Encore une fois, merci pour vos retours positifs. Ça fait encore une fois super plaisir. Donc, comme vous l'avez vu dans le live des mercredis, on s'est acheté une batteuse. Mais ah, trop content. Le seul problème qu'il y a eu, c'est qu'en fait, quand j'ai voulu acheter ma barre de coupe, le problème c'était qu'en fait, ça mettait que. En fait, il n'y avait plus de place au concessionnaire. Et du coup, j'étais dans la merde. Bon, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai mis un mode pour acheter. Du coup, enfin, en gros, tu mets une zone et en gros, le véhicule spawn là. Et ça coûte juste 2,5% plus cher du prix normal. Mais du coup, on s'est livré à l'emplacement que tu veux. Mais le problème, c'est que du coup, la barre de coupe ne fonctionne même pas du tout avec ce mode là. Alors que je pensais que ça allait fonctionner. Parce que je pensais qu'il n'y avait plus de place au concessionnaire. Et du coup, c'est à cause de ça. Mais en fait, je crois que c'est vraiment la barre de coupe qui est buggée. Donc, bah, écoutez, c'est pas grave. Alors, dans ce qu'on va faire, amis, dans cette vidéo, on va déjà. Bah, du coup, j'avais noté changer de barre de coupe. Mais du coup, bah non. Borom, t'es parti faire quoi du coup? T'es parti faucher, j'imagine? Bah là, je vais essayer de trouver le chemin pour aller au nouveau champ. Oui. Parce qu'en gros les amis, on a ce champ là, et merci aux abonnés qui nous l'ont dit. En fait on a ce champ là qui est à nous, mais en fait on a aussi le 90 qui est juste derrière, qu'on a jamais fauché en fait, mais en fait il est à nous. Et on ne savait pas, donc voilà, donc du coup on a cette partie là qu'on va faire. Donc ici on va y faire du foin, parce qu'on a plus beaucoup de foin, même plus du tout de foin. Et juste avant on fait choper du coup le petit massé. On va aller chercher du coup les bottes qu'on avait fait dans le live de mercredi. On avait fait bah, du coup le nouveau champ avec la grosse barre de coupe. Donc si vous savez pourquoi ça fonctionne pas, dites-le nous, parce que vraiment je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Je sais pas. Pourtant on a, c'est en plus 10 mètres sans être même plus petit, donc si c'était un problème de place ça passerait je pense. Donc sinon on va falloir qu'on trouve une technique pour pouvoir s'acheter. Je sais pas comment on peut faire. Hein. Franchement je sais pas. C'est bizarre. Bon. Ouais, non je sais pas. Parce que pourtant hors vidéo j'ai testé. De mettre le mode et de ah, peut-être que sur serveur ça fonctionne pas, c'est possible ça aussi. Ouais, c'est possible que sur serveur ça fonctionne pas. Attendez les gars, attends, au pire ce que je vais faire maintenant tout de suite, je vais mettre un point ici. Est-ce qu'il y a une masse? Il n'y a pas de masse. Attends, je mets le point devant. Hop, et je vais acheter une masse, voir si elle spawn là ou si elle spawn au concessionnaire. Parce que si elle spawn au concessionnaire, c'est que le mode fonctionne pas sur serveur. Et du coup, bah, hors serveur, je testerai ça. Laquelle on peut prendre? Celle-là, bah, la masse, là, celle-là. Attends, mais celle-là, elle apparaît pas. Laquelle on peut prendre qui peut être sympa, masse qu'on n'a pas? Au pire, je prends une ago, on s'en fout. Acheter. Dis-moi qu'elle spawn devant moi. Ok. Bon, j'ai la solution. Oui, c'est que le mode fonctionne pas sur le serveur. Ok. Bon, d'un côté, t'as mieux. Parce que du coup, ça veut dire qu'en fait, le mode n'est pas bugué. Bah, du coup, mercredi, on aura la bonne barre de coupe. Il faudra que hors vidéo, du coup, je mette la partie en solo, que j'achète la barre de coupe et que je la remette sur le serveur. Mais bon, bah, du coup, voilà. Je sais maintenant, c'est à cause de ça. Yes. Bon, voilà. Ce qu'on va faire aussi dans la vidéo, c'est qu'on va essayer d'acheter des chevaux. Enfin, au moins un enclos à cheval. Vu que du coup on a 97 000 euros et donc logiquement si on achète la petite barre de coupe de 10 mètres, bah, elle vaut combien? Elle vaut 40 000 euros il me semble, 46 000 euros je crois. Donc il nous resterait pas mal d'argent pour s'acheter des chevaux et tout, donc c'est nickel. Et ce que je ferai en vidéo aussi, c'est que j'essaierai de ressemer tous les champs plutôt. Parce que bah, du coup nos champs n'ont plus à bouffer. Enfin les pieds bouffés. Nos champs n'ont plus de culture dessus, donc il faudra qu'on refasse tout ça. Et mais en attendant, enfin, du coup, Borom fait du foin du coup dans le champ numéro 90. Mais dans le champ tout là-haut, par contre, on a de l'herbe. Enfin, il y a de l'herbe à enrubaner. Donc, on aura pas mal de rubanes à vendre. Et ça, c'est cool, les amis. Vous me direz en commentaire si vous êtes chaud. Parce que, alors, ce qu'on a prévu de faire mercredi, c'est que vu qu'on stream avec Jifit et moi, ce qui serait bien à faire, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais ça serait cool de s'acheter une ensileuse ensemble. Enfin, en gros, non. L'ensileuse est achetée par une ferme. On donne juste un petit peu d'argent, genre manière de dire on participe. Et en gros, on ensile en multi, genre voilà, moi j'ai la benne, j'ai fait un ensileuse et il vient moi ensiler chez moi et moi je vais ensiler chez lui. Et je pense que ça peut être sympa de faire ça, voilà. Ah, ça peut être cool, hein. Parce que sinon, c'est dommage, tu vois, quand on est en live de notre côté, mais du coup on en fait rien ensemble. Du coup, voilà, je me suis dit que ça pourrait être bien de faire ça. Du coup, on essaiera de faire ça mercredi. Alors vous me direz l'ensileuse qu'on achète aussi, hein, parce qu'en vrai, un ensileuse, je sais pas qu'est-ce qu'on prend. Moi j'avais voulu prendre la grosse Jaguar à 500 000 euros, mais j'ai vu, t'as dit, mais t'es malade. J'ai dit bah oui mais ouais. Ouais, avec les chenilles et tout. Mais ouais mec, oula. Oh non. Oh, non, mon matériel est retourné. Attendez, ça c'est toujours. Ça c'est Starview, ça. C'est toujours Starview. Hop, voilà. En gros, j'ai essayé de faire un compartiment ici foin, un compartiment ici paille. Et bah du coup, j'ai laissé ça au milieu, mais je pense qu'on enlèvera, hein, parce que ça va gêner. Donc on va essayer de se reculer complètement. Mais en vrai, j'avoue que ça m'embête un petit peu pour la moissonneuse, que le fait que bah, on peut pas.
avoir la barre de coupe qu'on voulait. Après bon, le problème c'est que si on achète cette barre de coupe là, va falloir qu'on s'achète aussi un plateau. Bon après c'est pas pour, enfin je pense que c'est pas pour le prix que bon. C'est pas grave, un plateau ça va pas très cher. Alors comment ça fonctionne ça? B. On va juste avancer un tout petit peu. Ah non, je peux reculer plus du coup vu que j'en ai pas jusqu'à la fin. Si, bon attendez, Y. Ouh, nickel. Regardez-moi ce mode magnifique. Ok, bon bah nickel. Bah je vais venir t'aider, je pense. Je vais venir faner. Bah oui, parce que je vais venir faner du coup. Attends. D'abord, je vais acheter les chevaux et après, je vais faner. Parce qu'en plus, il leur faut que tu fasses aux chevaux. Donc, attends, je vais laisser le plateau à l'abri. Il faut qu'on trouve. Attends, cette map, hein. Elle est énorme, on a des bâtiments partout, mais jamais je laisse soit tout dehors. Alors, bravo, bravo, Star. Attends, là, on est bon. Mais après, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on a un prêt à la banque qui remboursera 100%. Et ça, en vrai, les gars, je pensais pas qu'on allait se rembourser si rapidement. On a réussi. Je suis coincé quand je le trouve. Voilà. Par contre, du coup, je pense que je vais aller faner avec. Non, je vais ranger lui à l'abri. Je vais aller faner avec le petit Fent là, qui fait plaisir. Parce qu'on a quand même pas mal de tracteurs et voilà. Alors, le petit Fent, il est là. La faneuse, elle est là. Bah, du coup, alors l'enclos, on s'achète du coup, Borom. En vrai, j'ai envie d'acheter un cloche. Un petit, en vrai, il vaut que 6000 euros. Borom, faut quand même qu'on ait assez d'argent pour s'acheter la barre de coupe plus tard. Alors, il est où l'enclos? Est-ce que je dis. Ah, bah non, je crois que. Bah, non, ok. Bah, nickel. Bah, du coup, on va l'acheter maintenant vu que je l'ai pas mis sur le serveur. Ouais, ah, nickel. Non, mais il me semblait que je l'avais mis, mais du coup, je l'ai pas mis. Bon, bah, mercredi, on s'achètera. Mercredi, il y aura des chevaux, les gars. Il y aura un cheval et on l'appellera Michel. Oui, encore une fois, on l'appellera Michel. Non, je sais pas. Ah, ça c'est. Ah, tu connais pas d'ailleurs le Borom, le délire de Michel, si? Non. Ah, tu connais pas? Bah, c'est dommage. Non. Non, c'est dans les commentaires. C'est dans les commentaires. Oh, mon volant, j'ai l'impression qu'il. Mon volant, il couine, non? Quand je tourne, ouais, il fait un peu bizarre. Alors, par contre, on passe par où pour y accéder au champ là? Ah, attends, c'est pas par là. Le silage. Ouais, bah, je suis passé par là. Et du coup, alors, le suivant silage, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on aura encore plus d'ensilage à faire. Comme ça, tout l'enrubané qu'on fera, bah, ça sera. Ah, Michael, t'as fini. Comme ça, tout l'enrubané qu'on fera, ça sera pour bah, pour le vendre en fait. On n'aura pas besoin d'en garder. Bah, du coup, tu viens avec l'endonneur? Ouais, j'arrive. Le problème, c'est que je crois que l'endonneur est énorme. Hein, donc, par contre, ça va être hyper long. Non, c'est un enfin, ça, non, en gros, non, tu vois, il va falloir attendre que je passe. Voilà, allez, c'est parti, bien avant. Ah, en plus, regardez comment c'est fluide, les amis. C'est magnifiquement fluide. Donc voilà, du coup, comment ça se passe un petit peu le confinement chez vous? En vrai, alors, les amis, j'avoue qu'en ce moment, c'est encore plus la merde. Parce que, bah, en vrai, moi, j'en ai marre. En vrai, j'arrive à un moment où je commence à en avoir marre. Et, bah, bon, c'est pas grave, hein. On fait des barbecues. En vrai, toi, Borom, t'as pas de jardin, t'as rien. Tu dois rester chez toi. Si. Ah, si, t'as dit que toi, tu pouvais pas sortir, je crois. Ah, si. Ah, ça va alors. Si, moi, j'ai un grand jardin, tout ça, donc ça va, mais. Ouais, bah en vrai ça va quand. C'est quand même. Ouais, ça devient long quoi. Ça devient long. Et en plus, bah logiquement, Macron il doit parler lundi. Et en vrai, j'avoue que tous les samedis c'est le point à rendez-vous. Alors comment ça s'est passé cette semaine? Qu'est-ce qui a été changé? Tous les samedis en vidéo, alors du coup, comment ça s'est passé cette semaine? Non, en vrai, ouais, c'est bien d'en parler un petit peu. Ça nous fait changer de parler. Enfin, c'est pas, c'est bien, c'est la vidéo du samedi quoi. Donc, non, mais voilà, on verra comment ça se passe. Hein. Et mais le problème c'est que, comme je vous le dis à chaque fois, que je pense que quand ça va être remis en route, enfin, quand tout le monde va pouvoir sortir. Ça va être le bordel. ça va être épidémie x2. Mais on verra bien. D'ailleurs, au passage, le truc qui m'a le plus dégoûté, j'ai appris que le CIMA 2020 a été annulé. Voilà. Franchement, je suis dégoûté. Et c'est le truc qui me dégoûte le plus. Le seul salon agricole qu'on était allé, qui était vraiment un truc. C'était clairement le meilleur salon de ma vie que j'ai fait. Enfin voilà. Et du coup, il a été annulé. Donc logiquement, c'était le 21. À la base, il devait y être en même temps que la Paris Games Week de cette année, si ça, je me trompe pas. Non, bah, qu'est-ce que je raconte, pas la Paris Games Week. En même temps que le CIA cette année, donc le 21 février, un truc comme ça. Du coup, ils l'ont décalé cette année exceptionnellement bah, en octobre, je crois, octobre ou novembre. Mais du coup, bah, là, il le reprend encore une fois à l'année prochaine. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura eu 3 ans, je crois, sans salon, sans CIMA. Ça fera 3 ans sans CIMA, je crois, ou 2 ans et demi. Ben, bref, c'est énorme. De base, c'est tous les 2 ans, mais du coup, ils l'ont décalé de façon que c'était. Enfin bon. Donc là, ils l'ont annulé. C'est en longtemps quand même. Hein. Enfin, bah, ouais. C'est vrai que. Bah, en fait, ils ont pas dit qu'il y aurait pas. Enfin, en gros, normalement c'est en octobre, donc logiquement l'épidémie sera largement passée. Mais je crois qu'ils veulent pas faire ça parce que, bah, les gens ils peuvent pas apporter leur machine ou genre, c'est rien ce qu'ils ont dit. Enfin, bref. Donc, bref, ils ont dit qu'ils m'ont envoyé. Moi, j'ai reçu un mail, j'étais en mode, oh, j'étais dégoûté. Du coup, voilà. Mais du coup, bah voilà, on se rencontrera le 21, les amis. Sinon, bah, du coup, enfin, le CIMA. D'ailleurs, t'es déjà allé, bon, au CIMA ou pas? Non. Bah, c'était loin avant, j'avais pas de voiture et tout. Non, ouais. Je comptais y aller peut-être cette année, mais bon, du coup. Bah... Ah, bah, du coup, il y a des projets. Non, sinon, Innovagri. Toi, c'est peut-être un peu plus loin. Ouais, Innovagri, c'est plus bas parce que toi, t'habites en Belgique. Innovagri, c'est genre vers Outarville, je crois que c'est vers Orléans ou un peu plus bas que Paris, je crois. Donc, bon, c'est. Moi, en tout cas, je pense que j'irai.
Et il y en a qui me demandent aussi si j'irai au Space. Pareil, le Space, je sais pas du tout, hein, c'est des salons. Hein, c'est à moi, c'est, le Space, c'est à Rennes, hein, c'est à Rennes, au nord de la France. Moi, j'habite vers Toulouse. Comment dire que. Voilà quoi, un peu compliqué. Nickel. Ah, mec, on aura du foin pour les animaux. Parce que les animaux n'ont plus rien à bouffer. Et en plus. Alors, j'ai comme projet sur la série au fait d'acheter des moutons. J'évite aussi. Donc voilà, j'ai des projets, mais voilà. Alors, ouais, non, j'avais comme projet acheter la moissonneuse. Au final, les gars, c'est le projet s'est réalisé. Hein. Et ça, je suis content. Pour rentrer, comment t'en attends, tu fais comment? Ah, tu fais carrément. Non, non, mais c'est juste pour pouvoir faire des demi-tours après. Ok, ok. Parce que sinon, je vais faire des manœuvres. Là, je fais juste une bande là et puis je ferai des demi-tours. Ok, 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 d'accord. Je te laisse gérer, t'inquiète. Alors, donc ça, on va ramener ça là-bas. La fenêtre ne nous sert à rien. Bah donc le silo ça peut être sympa de faire ouais, un gros ensilage avec tout le monde là, par contre il faudra qu'on fasse de l'ensilage. Donc il faudra qu'on sème un champ d'ailleurs ouais. Ah mais non, le problème c'est qu'on a pas de semoir à maïs, enfin on a encore le semoir à maïs en Kuma. Mais du coup on avait acheté le... Alors la fin de neige je vais la mettre là-bas pour changer. Comme ça on aura de la place pour ranger les bottes. Le semoir qu'on a c'est un semoir qui se met en blé et enfin en semoir à céréales et en semoir pneumatique, je sais pas si tu vois. Ouais mais on avait pas dit qu'on allait peut-être... Voilà. Mais du coup, pour l'instant, tant qu'on n'a pas acheté la barre de coupe et les chevaux, je vais pas acheter pour l'instant le truc en plus. Donc, quand on aura plus d'argent, ben, on fera ça. Par contre, je vais pas presser avec lui parce que je pense qu'il risque de gagner. Presser avec le Fent. Non, je vais les presser avec le Fent. Ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire, les gars. Ça fera l'affaire. Et alors, les poules n'ont plus à bouffer. Les poules n'ont plus à bouffer, mais le problème, c'est que j'ai plus d'avoine. Je n'ai plus rien. Enfin, j'ai plus de blé ni de orge. Ah, mais si! Attends, je n'ai mis dans les silos, tu te rappelles pas? En live? J'ai mis. Oui, c'est de l'avoine, ça. Oui, j'ai 11 800 d'avoine. Oui, oui. Ouais, mais c'est d'avoine, donc c'est. Ça prend pas, l'avoine, c'est pour les chevaux. Mais du coup, ouais. On pourra nourrir nos chevaux. Oui, mais on a pas de chevaux. Bah oui, mais j'ai pas d'enclos, donc dommage. Ouais, mais pour mercredi, quoi. Ouais, mercredi. Par contre, le problème, c'est que du coup, Ah, dommage qu'on a pas un peu de foin. Enfin, un peu de foin. Un petit peu de. Bah, de blé ou orge, quoi, pour nourrir. Oh, mais attends, non. attends, il galère tellement. Attends, je vais changer de tracteur parce qu'il galère tellement à tirer la presse. Mauvaise idée. Mauvaise idée, les gars. On va juste se mettre là. Parce que là, ça va pas le faire. Je vais récupérer le petit massé qui fera plaisir. Le massé est pas mal. Hop, massé. Du coup, alors on va essayer du coup dans la vidéo. J'espère qu'elle va pas durer trop longtemps. On va essayer du coup donc ouais de. Alors faire le foin, si c'est possible après. Bah ouais, est-ce que moi je ramasserai le foin. Toi, si tu peux commencer à aller presser le champ là-haut, t'es d'herbe. Ouais, même sans qu'il y en a deux, mais oui. Oui, il y a le petit aussi. Ah non, mais bah, c'est vrai. Non, attends, parce qu'en vrai, il y avait le champ. Le 54 qui était qu'un bout en soja et un bout en herbe, lui c'est bon, je l'avais auto-chargé donc c'est ce que j'avais mis dans le. Ouais. Mais il y en avait un deuxième qui était à côté le concessionnaire et je sais pas celui-là par contre. Ouais, il me semble que je l'ai fauché en déné aussi. Wow! Oh! Zero! Il m'a fait peur! Oh les gars! Il est arrivé d'un coup! Oh, il m'a fait trop peur! Bon, normalement il y a priorité à droite, mais du coup bah, je me suis arrêté. C'est bon. Oh, Zero. Ah bah oui, il allait vendre son lait! Ils vont vendre le lait, ils m'ont dit ouais. Ils vont vendre le lait. D'ailleurs, du coup, du lit, normalement, on en a plus en stock. On avait tout vendu en live, je me rappelle. Je me rappelle en live, dès qu'on pouvait vendre un truc, on essayait de le vendre. Ouais. C'était tellement la galère, les gars. On était vraiment dans la galère. Mais là, ça va, on a 97 000 euros. Bon, certes, on doit racheter la barre de coupe. Hein, parce que du coup, je me suis remboursé l'ancienne. Hein, logique. Donc voilà. Donc, du coup, ça. Attends, je vais quand même vérifier tant que ça déplie, tant que tu finisses. Voir si le champ. Attendez, je descends. Attends, hop, voilà. Alors, attendez, parce que du coup, le champ d'herbe, donc celui-là. Logiquement, voilà, celui-là c'est bon. Il reste un andin ici à. Si, il restera un bout d'andin si tu veux sur le 54, mais c'est pas gênant. C'est qui ça? C'est Jifit. Ah oui, il reste un tout petit peu. Qui est ces gens-là? C'est, je crois que c'est Jifit qui va vendre sa laine. Ah ouais, il y a Jifit. Ok, et du coup, on a ce. Sa laine, ce truc de poule. Et après, on a ce champ-là qui est à nous. Ah oui, d'accord, lui aussi. Bah, lui, il y aura aussi un ruban à faire aussi. Bon, bah, nickel. Nickel, nickel. Allez. On attaque le champ. Bah, j'irai presser le celui. Bah, non, après, ce que j'essaierai de faire, c'est que j'essaierai de changer un peu de contenu. Donc soit je vais pailler vite mes animaux pour voir, je crois que mes animaux ont besoin de pailler. Bon, j'ai vite vérifier s'il faut les pailler. Mes vaches, non. Bah, il reste une race mélangée à faire, mais on n'a pas de rubané. Et j'aimerais, en fait je pense qu'il faut... Au pire je vais aller chercher une lame. Ouais, ok, bah, je finis mon champ et après les amis, ce que je vais faire, je vais chercher une lame pour tasser le CO d'ensilage. Je le ferme et au pire, parce que l'herbe qu'on a c'est que de... Enfin, le silo, on l'a rempli qu'avec de l'herbe. Du coup, on va essayer d'en faire un deuxième avec que du maïs. Même si ça change rien en farming, hein, c'est pareil. Mais voilà. Par contre, je suis à fond, mec. Pourquoi je roule si doucement? On presque à 15? Ah ouais? Ouais, je pense, ouais. Ok, mais bon, il me semble que je roule plus d'habitude. Est-ce qu'il faut pas la réparer, tu penses? Ça peut le faire aussi, ça aussi. Parce que depuis qu'on l'a, on l'a jamais réparé. C'est possible aussi, oui. C'est bah, dites-moi dans les commentaires s'il faut la réparer. Ou si c'était vraiment genre normal qu'on roule si doucement. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on d'habitude on presse plus rapidement, mais
Peut-être pas en fait. C'est moi en fait qui délire. Vous voyez, Valou. Du coup, ceux qui ont vu, j'ai changé de casque. Eh ouais, mon gars. Parce qu'en vrai, alors mon ancien casque était déglingué, les gars. J'avais le HyperX Cloud 2. Je sais pas. D'ailleurs, t'as quoi comme casque toi? Je crois que t'as. Ah si, t'as le même que moi, je crois. Le même que j'avais au tout début du YouTube. Le Logitech G230, ouais. Oui, voilà, c'est ce que j'avais au tout début de ma chaîne. Ah, je me rappelle. Et en vrai, clairement, bah, je peux te dire clairement que c'est vraiment le pire casque que j'ai eu. Clairement. Ouais, mais il coûtait pas cher, du coup. Non, ouais, voilà. Il coûtait genre 30 ou 40 euros, je crois, un truc comme ça. Ouais, ouais, quelque chose comme ça. Mais après, en micro, t'as quoi? Parce que le micro, c'est pas le micro du casque. J'ai le beurre du M1. Ouais, ok, t'as beurre. Ouais. Ouais, parce que du coup, là, actuellement, j'ai le DT770 Pro. Mais je suis dégoûté, j'aurais dû prendre la version studio qui coûtait un peu plus cher, mais bon, j'ai pas pris la version studio. C'est pas grave. Par contre, j'ai clairement un câble. J'ai vraiment genre 12 mètres de câble et je peux aller dans le couloir, je peux aller dans les autres chambres de ma maison, je peux vraiment tout faire. Je sais pas pourquoi. De base, le câble fait 3 mètres, mais du coup, sur le HyperX, sur l'ancien casque que j'avais, le câble faisait genre même pas 1 mètre, 50 cm. Genre vraiment, tu l'accrochais, tu pouvais même pas bouger. Du coup, j'avais acheté une rallonge, du coup, bah, ça fait 3 mètres plus une rallonge de 5 mètres. Voilà, ça fait pas mal de câble. Du coup, bah, au final, je sais pas si je la garde, mais ça fait un peu plus long quoi. Voilà, Valou. T'es parti faire quoi du coup, la borne? Là, j'ai été remettre mon landener là. Ouais. Du coup, je vais attendre que tu finisses de presser pour aller presser après. Ça marche. Bah, tu peux venir avec le plateau si tu veux récupérer les bottes au pire. Ouais. T'es qu'à venir avec le plateau. Ça sera nickel. Et après, bah, il faudra qu'on commence à semer. Mais je pense que ça va être le plus long, les gars. Faut qu'on ressème tous nos champs, hein, par contre. Hein. Mais par contre, ce qui va être bien, c'est que moissonner avec une grosse barre de coupe de 12 à 10, au moins 10 mètres, ça va faire plaisir. Hein, parce que passer de la petite à. C'est combien? Elle faisait 5 mètres, la axiale, je crois. Je sais pas comment elle faisait, la axiale. Faut que je regarde. Combien tu dis? Elle était pas très grande, mais. Ah non, elle était à 5 mètres 5 quand même. Ah si, quand même, 5 mètres 5. Mais voilà, du coup, celle-là, elle va faire 10 mètres. Encore plus au final. Bah, du coup, dites-moi en commentaire laquelle on prend. C'est vous qui décidez, soit on prend la version 10 mètres, soit on prend la version de 12 mètres 5. Voilà, à vous de décider. Après, il faut voir si le plateau, quand même, les plateaux qu'on veut prendre sont assez grands quand même. Bah, il y a ceux de base, mais moi j'aurais voulu prendre les. Ah, il n'y a pas les. Merde. Il n'y a pas les. Ah, c'est quoi les petits plateaux qui sont connus de Frabelle là? Ah mince. Les cochers. Les petits voilà. Plateaux. Ah oui. Les plateaux bah, de cochers, ouais. Mais du coup, je sais pas, on verra ce qu'on prendra. On verra ça. Mais en vrai, merci pour vos commentaires parce que je savais pas qu'on avait ce bout de champ. Et au final, ça nous fait un peu plus. Voilà, ça nous fait pas mal d'herbe. Donc, par contre, ça c'est vraiment que pour les animaux, les gars. Parce que nos animaux ont vraiment besoin de bouffer. Donc, nickel. Voilà, voilà. On va finir ça. Et ça sera bon. Après, niveau achat, qu'est-ce qu'on peut changer dans la ferme là actuellement? Parce que pour l'instant, franchement, moi je pense que tout est nickel. En vrai, on a tout. Oh mec, est-ce qu'on pourrait pas épandre du fumier sur le pré là? Ce pré là qu'on est. Hein, je me demande. Ah si, oui. Fumier ou lisier? Qu'est-ce qui est le mieux? Ouais, je sais pas, ouais, je pense que ça fait pareil, mais. Ouais, mais dans la vraie vie, qu'est-ce qui se fait le mieux? Moi j'aurais préféré faire du fumier parce que le lisier, il faut modifier la cuve à eau. Donc ça fait un peu. Voilà. Mais. De la chaux aussi. Voilà, nickel. Et de la chaux aussi, faut qu'on ramène tout ouais. Ça. Oh là là là, il y a trop de trucs à faire. Bon, déjà, je vais vider ma presse. Hop, vide-toi. Nickel. Attends, au pire, attends, bah, je te la passe. T'as qu'à prendre moi, le relais. T'as qu'à prendre le massé. Moi, je récupère mon petit. Nickel, t'aurais pu. qui s'arrête au bout du champ là. Voilà, allez, le petit JD. Le petit JD est sympa, les gars. C'est pas le meilleur qu'on a eu, mais franchement. Enfin, ça sert à rien. Après, il faudra qu'on le répare et qu'on le lave. Et qu'on le fasse le plein. Mais voilà, c'est un tracteur qui fait de l'affaire. Bon. Ouais, mais non, franchement, j'ai pas mal de changer. Celui-là, il est bien. J'ai pas mal de changer. Mec, attends, on aura fait quand même 8 bottes. Hein. 8 bottes sur ce champ, ça va. Hein. C'est pas si dégueu que ça. Bah, attends, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais aller. Bah, j'aurais voulu acheter une lame pour au moins tasser le silo. Mais je sais pas si c'est intéressant à faire ça en vidéo, puis je le ferai plus tard. Là, ce qu'on va faire, on va épandre un peu de fumier au lisier, tout dépend de ce qu'on a de plus. Un peu de fumier lisier là, comme ça je vais épandre dans le champ d'herbe, même dans toutes nos parcelles au passage. Donc, comme ça fera l'affaire. Et il faut que j'aille faire le plein par contre, le plein et le réparer, comme ça si je vais au concessionnaire, ça sera nickel. Alors, attends, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais charger les bottes que j'ai déjà chargées, comme ça va mieux les ranger parce que là actuellement. C'est mal rangé. Bah, du coup, en vrai, merci parce que, encore une fois, je vous le dis, mais c'est des vidéos qu'on tourne vraiment comme ça. Vraiment, on s'en fout, on prépare vraiment rien. Enfin, moi, je prépare même pas ce que je dis, quoi. Je fais ça comme ça. Et bah, du coup, merci de kiffer, quoi, parce qu'au final, ça fait plaisir. Et voilà, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de JFit. Hein. JFit et 7 font une vidéo sur leur chaîne. Celle-là sort plus tard, mais JFit la sort le matin à 9h, je crois. Même plus, je crois qu'il sort hyper tôt la vidéo. Mais voilà, même moi, je la regarde. Je regarde même la vidéo de JFit le matin. Voilà, bim. Ça, je vois ce qu'il a fait. Ce qu'il a pas fait. Non. Non, j'ai fait de la merde. Attends, j'ai tout cassé. Attendez. Bah attends. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Attends, j'ai fait de la merde. Mais pourquoi je peux pas décharger mes bottes? Attends, U. Attends mec, il y a un problème. Je peux plus décharger mes bottes. Ah si, c'est bon. Paradis. Voilà, ok. Je crois que j'avais passé le plateau. Voilà. Ok, bon du coup ça c'est bon. Le plateau je vais le ranger plus loin parce qu'il ne nous sert à rien.
Et par contre, il me faut récupérer la fourche et le massé ou le, l'autre. Le John Deere, t'as le John Deere qui va épandre, ça va être sympa ça. Le petit JD, on va ranger ça ici. A voir si t'as besoin que je vienne t'aider, c'est comme tu veux. Oh bah ça va, hein. Faudra en bah en vrai pour presser. Après, parce que là, ouais. Voilà. Je presse. Par contre, il va falloir qu'on ressème tout et ça va être long, ça va être hyper long, les gars. Temps, ouais. Ouais, bah j'essaierai de faire ça en vidéo parce qu'en live, ça... en live clairement, j'aimerais bien que tout soit mûr quoi. Mais le problème, c'est que JFIT, vu qu'ils. Sûrement que eux ont. Oh, attends, je vais vérifier, mais j'imagine que JFIT a déjà semé leur champ. Ah, même pas, il n'y a rien qui est semé chez eux. Ah, bah. Ah, si, il y a un champ chez eux. Ouais, il y a ce champ-là. Le... Maintenant, il a nous. Attends, il a qui ce champ? Ah non, le champ, il a Dylan. C'est vrai que Dylan n'est pas avec nous en tournage. Mais d'accord, il a Dylan. Bon. Bon, le mec, je vais tomber en panne d'essence. Je le sens, ça. Je le sens. Ah bah bravo. Est-ce que je fais le plein maintenant ou pas, tu penses? Bah allez, oui. On va faire le plein parce que je sens que je tombe en panne d'essence. On va aller faire le plein. En vrai, on a de la chance, je crois qu'on a, on a les, c'est les, on est les seuls à avoir une cuve à essence. Hop là. À fuel. Allez, rempli. Allez, l'argent descend, magnifique. Et du coup, alors la benne, on a ça là pour l'instant. Je pense qu'il faut qu'on la change, notre benne, hein, parce que avec la grosse moissonneuse qu'on a. Je pense que ça va être ça. Ça va être le prochain achat. Ouais, je pense prochain achat. Bah, je sais pas. Là, on a quoi en benne? Faut regarder qu'est-ce qu'on a de beau. En benne. Ah non, je dis en benne. Faudrait un truc qui soit pas mal et que les autres n'ont pas, quoi. Eux, ils ont ça là. Ils ont une benne de 20. Ils ont une benne de 27. Ah ouais, 27 000, ça commence à faire. Oh mec, les deux Laplace, elles sont stylées. Les deux Laplace. Je connaissais même pas ça. 24 tonnes. Ouais, mais bah, sans Riddle. Avec Riddle, ça donne quoi? 20 000. 20, en plus pour l'ancillage ça pourrait être nickel ça. Ah ouais, 20 000, bon elles sont pas hyper grosses non plus. Après il y aurait la Gilibert, mais la Gilibert on l'a un peu dans toutes nos séries. Enfin on l'a sur les 3 fermes je crois. On l'a sur les paysans français aussi. Donc on va changer. Par contre il me pourrait une lame parce que je pense que mon JD risque de galérer. Une lame, une masse. J'aurais juste récupéré ma masse. Il y a une masse. Il y a une masse, il y a la masse MX. Ah bah au concession, mais du coup je passe pas par le concession là, c'est pas grave. Non, chez nous, celle qu'il y avait sur le Fendt. Ah, elle est où? Celle qu'il y avait sur le petit Fendt, elle est en face du Fendt. Bon attends, je vais dire si j'arrive ou si c'est vraiment la galère. On va voir ça. Allez, attends, bah, je vais ramener le feint alors comme ça. J'ai pas du fumier. Attends, mais on va pas en avoir beaucoup de fumier là. On a combien de fumier? On a 26 000 de fumier. Ouais, on fera quand même un bon épandeur. 26 000, ça fera quand même un bon épandeur. Pour épandre de petit près, ça suffira, je pense. Où est le feint? Il est là. Alors, tu m'as dit quoi? Devant le feint? Ah bah oui, d'accord, en il face, est là. Ouais. Ouais. Attends, bah, je vais lui amener comme ça sera nickel. En plus, il a une fourche celui-là. J'aurais dû charger avec le feint, ça aurait été stylé. Quoique non, en vrai le petit JD, moi j'aime bien le petit JD. Le Fendt il est sympa, moi je l'aime bien celui-là, c'est un petit tracteur. En vrai il lui manque quelques petits chevaux, mais bon c'est quand même la 4 fin. Ça reste la catégorie petit tracteur quoi. On peut pas non plus lui demander non plus beaucoup, voilà. Alors on va aller acheter, on va... Oula. Oh bon, attends mais what? Comment elle pèse cette masse mec, ce truc qui fait du dos. Il a fallu péter le tracteur. Hop, on décroche ça. Attends, lui je vais le mettre comment? Par contre, la vidéo va durer longtemps, je pense là. Ils vont dire, mais attends, mais c'est vrai, il a pas fini encore cette interview? Et non. Parce que du coup, en vrai, ce que vous expliquer, moi, j'ai... le début de ma vidéo, je l'ai complètement foiré. Mais j'ai fait, bon, du coup, on va acheter la barre de coupe, ouais, magnifique, ouais, et au final, je fais, bah, ça marche pas. Du coup, bah, j'ai fait pendant 5 minutes, j'ai fait, mais non, ça marche pas. Et du coup, voilà. Oh, ça va, il galère pas. En vrai, parce qu'on a pas, on a pas un gros godet, je crois. Parce que je sais pas si c'est le plus gros qu'on a godet. Je crois qu'il y a 3 personnes godet, mais quoique. 2100. Si c'est 2100, ça va être le plus gros godet qu'on a. Si, il est pas mal, oui. Ouais, 2100, je pense, c'est quand même pas mal. Ça rentre forcément. Même, ouais. Je me suis bien placé, moi, encore une fois. Là, le petit pichon. En vrai, cet épandeur, je l'aime trop, moi. Enfin, je l'aime trop. Un épandeur, quoi, mais. C'est Timmery, je crois, il me semble. Oui, non. C'est toi, je sais plus. C'est toi, Tom, Timmery, je sais plus qui c'est. Ils l'ont pas fait à deux, il me semble. Je sais pas du tout. Alors là, je faisais une connerie. Je sais plus du tout, les gars. Bon, en tout cas, il est sur mon site. Il est joli. Voilà, il est stylé. En tout cas, il est stylé. Donc voilà, nos animaux, il faudra qu'on les repaille. Faut qu'on... Enfin, moi, c'est ration mélangée, mais ben, du coup, pour l'instant, on va faire avec la rubanée qu'on va avoir. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Oui, vous avez fini? Non. Actuellement, non, mais pourquoi? Actuellement, non. Non, bah, je sais pas, non, parce que bah, je sais pas, la vidéo est. Oui, mais en fait, pendant. C'est vrai qu'il faut que je sois à 30 minutes déjà. Ah oui. Ben, oui, c'est pour ça. Je me croyais en live en fait. j'ai bien vu. De ton côté, t'as fini? On a fini, ouais, de notre côté, du coup, c'est pour savoir. Ok, après, c'est... Bah, d'ici voilà. 5 minutes, j'ai rempli mon épandeur et après bah, je vais arrêter, je pense alors. Ok. Voilà. Ok. Bah, nickel. Okay. Allez, hop, ça c'est bon. Ah non, attends. Attendez, ça va pas remplir ça. Si, c'est bon. Et du coup, t'as bientôt fini ta. Borom. J'ai fini de presser le petit champ là. Ok, bah du coup, j'ai fini. Qu'est-ce que vous avez fait de beau dans votre vidéo? Attends.
Je rattaque, tac. Alors du coup, bah, attends, voilà. Alors du coup, ce que j'ai fait, ben, pas mal de choses, on va se le dire comme ça en vocal du ouais, coup. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Du coup, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a vendu tout notre enrubanné, donc on a, ça nous a fait pas mal d'argent, quasiment, peut-être, 90 000 euros, je pense. Ah ouais, mais what? Bon, en total, parce qu'on a vendu deux plateaux complets à 39, 40, bon, à peu près aux 90 000. Zero a vendu du lait aussi. Oui, j'ai vu. Bah oui, d'ailleurs, on est passé donc un deux peu fois, deux fois, attends, deux fois 8 000, je crois, donc 16 000 à peu près. Okay. Là, on a fait de l'argent encore dans l'épisode. Là, j'avoue qu'on a fait grave de l'argent. Vous avez combien d'argent au total là? 333 000. Oh là là! Ah oui! Oh là 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 là! Après, nous aussi, après, nous aussi on a de la rubanée à vendre aussi. Mais ah ouais! Ça va venir, ça va venir. Et ça... du coup, moi j'ai acheté un cueilleur pour le tournesol, j'ai fait de la moisson de tournesol avec la nouvelle moissonneuse. Ok. Voilà, donc des petits achats, mais bon, pas mal d'argent, donc du coup c'est cool. Donc, ok, voilà. D'accord. Voilà, voilà, bah, alors moi le problème là. Que j'ai eu, c'est que du coup je voulais acheter ma barre de coupe. Oui. Sauf que le mode sur serveur ne fonctionne pas, c'est le mode qui permet d'acheter à une zone où c'est que tu veux. Ah, il fonctionne pas, mince. Ouais, j'ai voulu tester et ça m'était un placement bloqué. Ouais, et après j'ai mis le mode, et enfin j'ai activé le mode et j'ai acheté une masse. Et la masse a quand même spawn aux concessions. Du coup, bah voilà. D'accord, dommage. Ok, c'est dommage. Bien. Mais du coup, c'est pas grave, je teste, je mettrai la partie en solo et je l'achèterai en solo. Parce que actuellement, okay. Bah, du coup, j'ai pas moissonné, donc c'est un peu gênant. D'accord, ah, c'est un peu gênant, c'est un petit peu, voilà, oui, voilà. Un petit peu compliqué. Ok, ok. Bah, bon, okay, les gars, bah, de mon côté, je pense qu'on va s'arrêter aussi. Hein. Ouais, du coup, tu. Oui, on se rejoint tous, comment on fait? Ouais, on fait ça, hein. Bah j'arrive. Ok, ça marche. Allez, on va finir ça, il y a pas longtemps. Je pense que le panneur a pas tant d'arrêt plein non plus. Quoique, je sais pas. Attends, il est plein ou pas les panneurs repères, ça va suffire. Parce qu'en vrai, j'avoue que la vidéo va durer longtemps. On a 15 000 0. Les gars, j'aurais fait exprès, on n'a même pas réussi. J'ai mis 15 000 0 dans les pendeurs. T'as vu, je gère. Ouais. Attends, bah du coup, je vais aller devant le champ. Bah, on va pas épeindre dans la vidéo, malheureusement, ça va durer trop longtemps. Là, j'avoue qu'elle dure longtemps, j'ai pas fait gaffe à la vidéo. Vraiment, j'étais en mode, allez, c'est parti, on travaille pendant une heure. Mais c'est vrai qu'il faut pas faire un truc trop long non plus. Après, j'avoue que vous aimez, mais actuellement, je fais quand même beaucoup de live et voilà. Hop, nickel. Attends, juste vérifier si ça fonctionne. On déplie. Et let's go. Oh, ça fonctionne, magnifique. Bon, on fera ça du coup. Au pire, on le fera en live. Pourquoi pas en live? Quoique non, en live sera repoussé peut-être. Bon, on essaiera de voir. Bon, du coup, on est parti. On va voir la vidéo de on va voir la ferme de GFIT, voir un petit peu ce qu'ils ont fait, même s'il m'a dit. Et du coup, on va y revoir dans la vidéo. Bon, bah, du coup, les gars, ça va être bon pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait pas mal d'activités. Nous, de notre côté, pas mal d'argent, donc c'est bien cool. Ah, bah oui, je vois ça. J'espère que de ton côté aussi, Bastien, que vous avez. Pour l'instant, non, mais ça va pas tarder. D'accord, ok, ça va. Bon, bah, écoutez, bien sûr, les gars, comme d'habitude, le gros pouce bleu à toutes les vidéos, ça fera plaisir. L'abonnement, bien sûr, aussi, c'est pas encore fait. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Bien sûr. Et on se dit à la prochaine, les gars, pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Allez, salut, les gars. Ciao.